Hier après-midi, nèg yo retourné au niveau de Solino. Yo refrappé pour la plus belle guerrier du seul Ronald des hommes. Moi parlé avec plusieurs résidents, plusieurs riverains. Je voulais connaître ça qui passait puisque force l'audio était quand même décrété la permanence pour voir comment ils étaient capables de repousser Bandio, comment ils étaient capables d'empêcher Bandio de réaliser rêve qui s'est prend contrôle Solino dans tout compartiment à toute l'autre zone qui a voisiné lieu. Et puis m'tendé que nèg yo retourné. Et là m'a fait compilation ensemble de informations qui rivé joindre moi yo ou dans les hommes guerriers du seul. Moi vinn conclu te gagné un petit relâchement hein bon côté force qui était déployée au niveau de Solino pour te battre avec Bandio. Et à ce qu'il paraît, relâchement est fait dans la première journée hier. Maintenant, qui ça qui explique relâchement ça? Je vais forcément gagner un élément de réponse. Cependant, pour que vous compreniez bien, je suis capable de imaginer ça. C'est comme si on moun kap veye un objet pour que vous ne preniez. Et puis, les gens qui viennent prendre la veille tout. Moi, petit cabiche, en fait, puisque la veille ou la contrôle, et puis, il fait va, il prend l'aller, ou même distance pour passer, mais dans géo. Pour regarder côté objet à passer, il dégaine à disparaître. Et son bail comme ça, qui a passé entre force l'audio, force de sécurité, puisque nous apprenons à gagner des membres de la PNH et des forces armées avec Bandio. Comme Bandio même déterminé, il ne jure que par prendre contrôle sur les Solino à toute l'autre zone qui environne lieu et bien il a veillé la police. À chaque fois il prend pause, il replie moins de modélage la police fait, moins de négligence la police fait, il profite de lui et puis il varie. Et de fait, c'est ça qui expliquait retour Negio hier après-midi par rapport à tout ça nous joindre comme élément de formation Ronald des hommes. Et j'en ai dit hier matin, les Negio retourné, ils n'ont pas retourné en enfant de cœur. Donc c'est avec même mode opératoire, ils ont tiré dans toutes les directions, ils ont mis du feu dans la caille, etc. Et jusqu'à 5-6 heures, nous avons gagné des échanges via WhatsApp avec des gens qui habitait pas trop loin sous Lino, qui a peur, non seulement fait m'tende de son gros rafale zam automatique, mais également qui a partagé avec moi des images côté qui gagne la fumée qui a sauté sous Lino. C'est la preuve, gagne des bails qui a boulé. Est-ce que c'est caille ou pas? Ou bien est-ce que Negio a ajouté sous quantité caille? Il était déjà commencé à bouler depuis le 17 octobre jusqu'à week-end là. On ne sait pas. Mais ça que certains, elle a été mangomé hier au niveau de Solino encore une fois. Ça qui a provoqué un pile panique, bon côté population, hein? Un pile monde qui a fait réticence, qui pensait qu'avec l'arrivée des forces de l'ordre
Donc yo ka rete sou lino toujours. Hier ou te obligé courir, craser qui dit ça. Mais panique là te bon côté moun ki pa habite sou lino mais qui habite dans zone avoisinante yo tout. Parce que moun sa yo yo di tête yo si nèg yo ka retourner encore, donc yo pa jamais moun konnen yo ka réussi prend sou lino. Et si yo réussi prend sou lino, yo pa pépanier. Et là m'a parlé de moun qui habite dans zone Nazon par exemple. M'a parlé là de moun qui habite dans série de rue qui croisé avenue Pouplard et la Lue. N'a parlé de moun qui au niveau de Christois. N'a parlé de moun qui au niveau de Delma 30 etc. Moun sa yo était quand même paniqué. Hier après-midi, il y a une particularité qui était gagné dans fin journée, c'est que en plus de coups de balle qui t'a chanté dans zone ça dans cité là, notamment dans Solino, mais tension a monté deux crans tout. Non série de l'autre zone qui pas trop loin Solino, qui pas trop loin avenue Pouplard. Par exemple, nous cité la Lue, nous cité Nazo, nous cité Delma 30, nous cité Christois. Et hier, n'importe qui est qui était dans la rue, notamment au niveau de la Lue, il était facilement ouais bon bagaille qui pas clair. Presque non badgé, non clin d'œil, la rue a été chargée à caoutchouc qui a boulé. Barricade un peu partout dans différentes artères qui ont rapport avec zone nous sous cité là. Ou senti comme si on marchait pressé, moun qui était dans la rue a make sure pour yo courir rentrer, moun qui était dans série de zone a fait paquet yo pour yo aller ça ou pas connait dans quelle direction yo va aller. Comme ça tout gagne des moun tout qui pas concerné véritablement par attaque bandi yo mais qui dit tête yo à n'importe moment si bandi yo rivé passer sur lino qu'arrivé sur yo, yo même tout était paniqué, yo était prend la rue ya. Et en pile nan yo, pas hésiter et mettez caoutchouc, mettez barricade dans plusieurs zones qui viennent faire une grosse panique hier après-midi ou bien en fin journée hier là dans Port-au-Prince, dans région métropolitaine, nan, notamment dans zone ça yo n'a parlé là et panique là était tellement haut, il était arrivé jusqu'à Delma 32, Delma 40 etc. Maintenant, est-ce que ça t'est gagné dans la rue yo jusqu'à hier soir du très tard, c'est des monde qui t'a exprimé révolte yo, qui t'a exprimé ras-le-bol yo par rapport à comportement autorité ou dans l'état face à nouvelle attaque coordonnée ou bien nouvelle assaut bandi yo, on ne sait pas. Est-ce que c'est des résidents qui a anticipé Jean d'Abdil Daloya pour si bandi t'a gain intention pour étendre tentacule yo sous de l'autre zone après Solino, yo tout mettait des barricades etc. pour empêcher bandi yo arriver très facilement. On ne sait pas. Ou bien est-ce que tout simplement c'est l'avènement de nouvel épisode de pays là. Nous baronnons puisque nous baronnons comment journée et mardi après le passé, de quoi seront faites les prochaines heures. Au niveau de tabac, situation pas trop différente de ce qui t'a passé pendant le week-end là. Tabac 27 notamment. Bandi au fait bal chanter tant coupé pirite. C'est vrai gagner. Des efforts, beaucoup de force l'audio pour essayer de capable prendre contrôle de la situation, mais nous efforts qui reprennent contrôle li. Sinon on a bataille toujours. Donc est-ce qu'il est capable de résister? Si oui, pour combien de temps, on ne sait pas. Mais ce qui est certain, si nous quoi ça passé ni pendant le week-end là, notamment dimanche soir, pour arriver jusqu'à hier ou lundi, donc on sentit une certaine détermination beaucoup de criminels pour yo simer la troublaille en dans commune Tabar. Il a noté pour la République. Madame, monsieur, je n'ai pas dit ça au fricot, tabac, ça n'a pas parlé là. C'est côté qui est censé loger pour mon arrobissa. Et si vous avez sorti dans votre aéroport et puis vous avez pris direction Claircine, vous avez quitté la zone douane-pot, ou avez quitté UHM, ou quitté la zone côté qui gagnait Busis Cargo, et pour descendre Claircine, sur la main gauche. Premier sur joindre ou joindre base mission multinationale là qui dit bonjour. Un peu après, ou joindre la direction centrale de la police judiciaire.
après DCPJ, on croit gagner la direction générale yes, la police. De la police nationale d'Haïti. Mm-hmm. Après on joindre SWAT et après on croit ou joindre on base la mer, c'est base aviation la mer Haïti d'ailleurs. Donc c'est la preuve tabac ça n'a pas allé à la qui menace ou bien qui sous menace nèg examyo li gagner principal force sur lui là. Donc est-ce que nèg yo là m'a parlé de nèg yo sorti dans force panou yo pour arriver dans mission multinationale là. Bon nous pas dit Kenya encore parce que gagne de l'autre côté gens qui viennent petit con lieu. Vous comprenez qui a ajouté sous Kenya yo. Donc pour arriver dans Kenya yo, donc est-ce que il y a bien capacité pour yo quitter bandi yo faire ça ouvrir au niveau de tabac. Et sinon base nèg yo. Côté nèg yo gagne toute ressource yo supposé. Côté yo gagne tout matériel yo. On a les hommes. Yo pas arrivé mettre bandi yo en déroute. Donc on se demande est-ce qu'il va arriver faire dans l'autre zone qui pas forcément de côté qui gagne des bases soit l'armée ou bien la police. Mais jusqu'à présent la résistance est de taille. Est-ce qu'il y a capable kembe? C'est la grande question. Ou bien est-ce que bandi yo arrivent côté yo affaibli et que y a fait bas ou bien tout carrément la police a peut arriver faire ça le doit faire pour stopper yo nous pas connait. Mais ça certain balaté magoumen hier tout et gen plusieurs monde qui prend balle. Guerrier sont a partager avec moi là en image côté gon citoyen qui prend on balle dans poignet et cetera côté balle là rentrer. En tabac 27. Tabac 27 hier. Pendant la parler tout ça, on phénomène qu'on y a là où les balles marron. Ça veut les balles marron, ça veut dire où il doit pas forcément habiter dans quartier côté nèg va attaquer. Yeah. Et pour ou chita la caillou ou pas dans la rue, ou il doit coucher sous cabanon avec petit ou avec madame ou même. Ou bien si son fille avec mari ou. Ou il doit coucher pour quoi? Et puis c'est gado gade ou est balle à percer fenêtre là la rentrée. Et c'est tellement vrai. Nous songez ça qui passé jeudi dernier ou vendredi. Samedi. Jeune dame ça qui prend balle en tête au niveau de le Solino. Non, avenue Poplar. Avenue Poplar. OK. Pendant elle t'a regardé télévision. Ah, oui, 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 oui. Mais il y a de l'autre monde tout qui victime de même situation balle maronza. C'était militaire. Pendant des échanges avec bandio, force l'autre bandio, pendant gagner bandio capturé dans toute direction. Même si on nous a dit ou pas prendre la rue ou bien ou t'a dit ou pas habiter dans quartier ça ou pas forcément à l'abri ou pas trop loin parce qu'à n'importe moment n'importe balle n'importe qui calibre capable percer garou capable percer fenêtre tout sur être dans quartier capable tomber etc. et fait n'importe qui dégâts. Donc ça veut dire ni monde qui habite dans quartier côté bandi ou attaquer ni monde qui peut-être dans la rue dans moment attaque ou a fait là ni monde qui habite dans l'autre quartier ou bien qui retourne dans la caillou qui décide pas sortir ou bien qui cache en bagarre ou bien n'importe l'autre côté yo pas à l'abri yo tout net capable victime à n'importe qui moment de assaut bandi yo. Ça c'est pour la région métropolitaine de Port-au-Prince mais nous connaît tout ça qui est passé à Caillé hier après-midi et jusqu'à matin nous parler avec des moun au niveau de la commune d'Caillé situation pas évolué dans le bon sens. Sinon que jusqu'à présent, moun akaye ensemble avec le peu de policiers qui présent en da commune avait essayé kembe, avait essayé résister. Maintenant, est-ce que yon gen capacité pour résister à une série de nèg qui lourdement armé qui sorti dans deux groupes armés différents? Parce que jusqu'à présent, information officielle qui disponible fait état de bandits qui sorti dans base Izo dans village de Dieu prend la mer. Bandi qui sorti dans base Jeff au niveau de Canaran prend route et puis il a décidé à le mettre à Cayenne en mitan et sortant des cartouches. Il y a des monde pas laver qui au niveau de Williamson qui au niveau de Lully qui au niveau de Bercy qui dit yo pas compte si après demain bon il m'a pas laver hier tellement balle tiré gien qui prend risque à bec chou pour si on ca courir prend monde pour yo. C'est ou pas qu'on est qui côté ou pralé véritablement qui côté ou karrivé. Par contre, vous comprenez. Et m'dabli, on me dit que m'ka fait confiance, qui parlait de au moins deux morts sans compter blessés.
qui vient dans série attaque ça. Et c'est pour la deuxième fois que monsieur Bandio lui-même il a attaqué commune Arcaye. Est-ce que fois ça il a privé mettez Arcaye dans liste de territoire perdu ou bien est-ce que dirigeant ou responsable principal force de sécurité a fait preuve des capacités face à bandits et du coup faciliter la tâche, on ne sait pas. Mais nous apprenons des renforts qui étaient doués rive à Kaya, mais semblent les renforts bloqués au niveau de route la fin qui était gagnant pour entrer à Kaya. Donc est-ce qu'il a privé tout ça? Nous pas qu'on aime l'autre situation que nous peut souligner encore, c'est ça qui passait au niveau de Lester côté des bandits armés à bord d'une motocyclette décidé l'ouvrir coup d'arme sous l'école mes amis. On l'école côté au dîme section primaire là t'es fait fin terminé. Donc l'école fait fin terminé, petit monde a mec chou bio sorti, parents a venir des petit monde et puis c'est les criminels sans foi ni loi décidé qui décharger les amis sous l'école là. Et yo parlé de près de deux blessés et mon parent t'es pour balle. Malheureusement, elle mourit sous cabane de l'hôpital. Donc, heureusement, nous disons heureusement parce que mon yo bien mouri. Bilan n'est pas aussi catastrophique parfois quand c'est des petits mouns. On imagine pendant, sans vous mal froid, t'as tiré. Quand c'est des petits mouns qui étaient capables en balle, parce que les petits mouns étaient débrouillés, ils ont couru dans toute direction. Tout. Et ils ont passé, ils ont tiré, ils ont pas campé, ils ont choisi les mouns pour tirer. Donc, n'importe qui est la victime. N'importe qui est. Oui, nous dit heureusement parce que bilan est capable de bilou, mais malheureusement pour parents, il est succombé à blessure ça, sous cabane de l'hôpital. Maintenant, nous sommes capables, par rapport avec tout ça, nous avons décrit là, comme situation de 16-17 octobre pour arriver jusqu'à hier soir, poser nos questions ça. Hein? Qui ça qui expliquait ce réveil brutal des groupes criminels de la coalition Vivre Ensemble? C'est peut-être une question préoccupante. Hein? N'importe qui est ici, tant que l'autre bord de l'eau, qui peut être intéressé à la question du pays d'Haïti, capable de dire que ça passe, gang yo. Est-ce que l'initiative pour gang yo retourner si mais la terreur en d'un pays est venue de par eux-mêmes? Est-ce que c'est gang yo qui décide pour une raison ou bien pour l'autre? Réactiver tête yo ou bien est-ce que gagner des mains ou une main pour des raisons inavouées et inavouables et puis qui décide dit chonette dans mettre pays à tête en bas dans mettre pays à feu à sang. Encore une fois, c'est des questions à poser, nous pas forcément gagner réponse, peut-être les prochains jours capable aider ou éclair. Hier matin, on a des hommes guerriers du seul madame monsieur. La conclusion, si bad bouche nous te gagne, nous te dit un bagay et nous demande mon yo pour nous souligner, pour nous souligner. Qui ça me dit? Nous te dit que jodi, avec cette nouvelle démonstration de force de vivre ensemble, population a doué peur, population a doué inquiété. J'aime nous pas qu'à mander au monde pour dire nous pas peur, nous pas jamais peur. Dans la situation, dans cette situation, pendant ce temps, moun yo c'est des moun qui inoffensifs, c'est des moun qui adhérents de yo, c'est des civils, c'est des moun qui innocents. Radio papa. Bon, l'on criminel qui a décidé monter motocyclette et puis lira les amis, décharger sur l'école qui est ti moun, bon a qui ça ti moun yo ya avo. Donc faut couper. L'on nèg de loi décidé le débarquer dans quartier ville tomber tirer à gauche à droite. Il y a de quoi quand même à s'inquiéter. Donc moi pas qu'à dire mon yo pas peur. Donc parce que la pérèse devine automatique. La caille chaque grand monde qui vit vous dit que jodi à ces quartiers ça. Demain si Dieu veut, il y a un quartier pour là. Jodi à ces communes ça, ces départements ça. Mais demain si Dieu veut, il y a un on l'autre commune, on l'autre département. Jodi à ces intel qui victime, c'est intel qui prend balle marron, c'est intel qui tire, c'est si mon intel là. Mon dit tout, est-ce que ou à l'abri, il est capable ou même tout. Donc, il y a quand même assez de matière pour taper. Mais je te dis tout,
ça paraît provoquer beaucoup plus de peur, si vous voulez, la caille population et la caille nous autres, qui sous table en particulier, c'est surtout le comportement de nos autorités, le comportement de nos décideurs, le comportement de nos dirigeants. Parce que écoutez, des bandits armés, des criminels notoires ont décidé de déclarer la population à la guerre. Donc, il y a des armes, il y a des cocktails monotov, il y a toute qualité pour faire la population en paix. La population va gagner rien, sans défense. Donc, seule entité qui a pour défendre la population, c'est l'État. Seul groupe qui a pour défendre la population, c'est le dirigeant. C'est l'autorité. C'est le chef. Voilà que nous-mêmes qui attendons la situation paraît compliquée et que l'État est capable de préoccuper l'autorité pour joindre une meilleure formule, pour entendre, pour qu'on ait qui réponse pour bail, vous préférez bataille entre eux, tout au moins, vous préférez continuer la bataille qui était déjà initiée pour le pouvoir dans un contexte pareil. Je pense que ça doit inquiéter beaucoup plus. C'est comme si vous avez un petit monde, vous avez un méchant qui a un bon problème, qui a un attaque, et puis vous avez un maman à papa. Ok? Vous dites maman, mais qui ça, vous avez subi, etc. Maman à papa tellement bataille. Entre eux, vous oubliez où existez, vous n'êtes pas soucieux de vous encore. Et je pense que là, vous avez plus inquiété que méchant qui a un attaque. Ah, c'est méchant qui a changé l'idée. Vous voyez, M. Zoula, il a décidé de dire bon, va. Il a pris pitié pour vous. Il a dit, comme son monde qui s'en défense, je vais vous côté conseil, c'est tout seul. Mais maman, à papa, qui te doit soit empêcher méchant ça vient sur ou bien empêcher pour continuer victime, il n'y a pas même ouais ça tellement occupé dans la bataille entre eux. Parce que ça doit plus préoccuper, ça doit plus inquiéter. Et c'est ce qui arrive dans le cas d'Haïti. Ou gagne un pouvoir qui est constitué de deux têtes. Il y a d'un côté le CPT et de l'autre côté il y a le gouvernement avec un chef qui est Gary Conille. Situation venue là, Britsoukou, tout le monde met en tête, il a posé question. Il dit ça qui passe gang là. Ou il y a comme l'impression que même les forces de l'ordre sont dépassées par les événements. Donc au lieu que vous avez dit, même si nous n'avons pas vu l'autre, même si nous n'avons pas mangé l'autre, même si l'intérêt n'est pas même, même si il y a divergence, même si il y a désaccord, mais on garde pour nous être capable d'entendre nous pour nous qui formule nous jouer pour nous camper en face ennemi commun, bon supposé, qui s'est gagné pour nous défendre la population. Maintenant, quand c'est à des adversaires politiques donc qui partent dans le pouvoir, c'est des gens qui sont dans l'élite politique là. Et puis qui c'est des acteurs avec idéologie différente, ils ne pas vu l'autre. Le fait que je dis à la pays dans une situation ça et que gang yo j'ai frappé là, yo pas fait exception. Donc pas gen moun qui vient et puis dans ville là, ou t'as capable même dit acteur politique ça ou des ennemis jurés politiquement, gen nécessité pour ta mettre tête ensemble pour yo dire mon cher bon ouais c'est capable et aider dans bataille qu'a fait contre le grand banditisme, contre le phénomène d'insécurité. Voir que je dis, n'a parlé de l'État qui t'a doué yon et indivisible. N'a parlé de l'État qui t'a doué yon et indivisible. Chaque nèg, chaque groupe décide où y a là, yo après la fait pas yo, et il s'en fout pas mal de population qui a monté le ciel par dos avec gang yo qui passe suspendre commettre des actes criminels matin, midi, soir, dernier jour à yo. Au exemple, hier matin de très tôt, le premier ministre Gary Conille convoqué un ensemble d'autorités qui vient pour eux avec la principale force de sécurité de l'Amérique. Objectif contre là, si nous avons fait ça qui est écrit sous contre primature la confiance, c'était évaluer la situation. Hein? Côté Gary Conille, il y a position, ou bien réaffirmer position, il n'y a pas de céder aucun autre territoire, surtout ça a récupéré déjà. Bon. Gagoni qui a parlé, c'est pas moi. Deuxième barala, c'est à rappeler immédiatement plusieurs centaines de policiers et de soldats qui détachés
avec des VIP. Avant de retourner sur objectif rencontre, monsieur Koni là, ou bien avant de garder décision qui prend yo, mais parallèlement tout ou bien peu après le CPT a réalisé même rencontre là presque avec même moun yo. À la seule différence, dans rencontre monsieur Koni là, tu gagné madame Dominique Dupuis. Vous avez devine gagné ministre justice ça d'après photo yo. Mais dans rencontre CPT a pas de moun ça. Oui. Mais si vous regardez ni notre la présidence, si vous regardez ni notre primature là, marron vous comprenez non, c'est presque le même objectif là qui c'est évaluer situation hein, garder qui ça stratégiquement disposition au cahier et puis du coup ouais ça me dit là ouais comment qu'a orienté action immédiate. Mais qu'on y a l'âme d'avoir posé question, est-ce que c'est au courant Gary Koni pas au courant que CPT a gagné pour le rencontrer avec la MEA, avec et la police? Ou bien est-ce que c'est au courant tout CPT va au courant tout que Gary Koni lui-même il défend rencontre la matinée? Ça dit chaque affaire a fait pas yo. Avait dit Ramon ensemble avec Derby et puis tout l'autre monde qui est dedans au commandement soit pour l'armée soit pour la police, yo fait sortir une rencontre Koni là. Et puis, tout traversé dans la ville d'accueil pour aller dans la rencontre avec les six volteurs et l'autre conseiller. Pourtant, il y a toutes les deux, en parlant de deux groupes, pour aller parler de même bagaille. Oui. Mais qui ça qui empêche, ou bien qui t'empêche que, pour concertation qui fait, qui dit qu'on a une séance de travail ensemble, puisque c'est même l'État, c'est même pouvoir, pour nous discuter ensemble, et puis pour nous définir une stratégie ensemble, pour nous connaître qui meilleure réponse. Nous avons la situation ça là ou bien pour nous coordonner réponse là parce que c'est même exécutif là et d'après information gagnée le conseil présidentiel n'était même pas au courant que monsieur Koni d'après le fond rencontre le matin. Ça veut dire yo planifié rencontre pas yo un yo pas mettre gars au courant garif planifié rencontre pas il va mettre au courant. Donc c'est ouais c'est la presse qui a parlé etc. Mais ça fait l'aide monsieur. Ça fait l'aide. Par contre, vous comprenez. Pour ça, c'est Mounsa, ou même, vous êtes prêts maintenant à être payé. Même. Voilà que nous-mêmes, comme des citoyens paisibles, je le répète, des gens qui sont défense, qui ont deux bras balancés en face des criminels qui ont mis le jour dedans. Seul groupe, nous avons compté sur lui, c'est l'État. Et puis, nous avons deux groupes même qui ont bataillé. Yo chaque a décidé qui est-ce qui pichet passer l'autre. Moi me bat dans la situation normal Ramon. Moi me bat dans la situation comment vous le commandant la meilleure Derby guerrier. Vous savez pourquoi? Parce que Gary Koni qui doit avoir bagaille aux gens. OK? Et puis il passe son l'autre ou bien il mandé pour prendre des dispositions. Et puis CPTA ou bagaille aux l'autre gens lui-même et puis même s'il pata aller dans ce contrat là non mais il y a des approches qui capable de mettre monsieur l'autre Gary Koni yo et ou bien qui capable de mettre responsable inconfortable dans la difficulté bah là maintenant ça moi comme si pour moi j'étais Koni Koni dit bon monsieur mais ça ne va le faire ou bien il dit la meilleure mais ça va faire mais ça va le faire et de fait CPTA, et de fait il y a une décision qui prend parce que le gouvernement annonce pour que yo rapatrier et tout policier qui était avec VIP yo. Donc nous pas connaître s'il y a parlé des anciens VIP ou bien de monde qui là qui gagne pouvoir mais oui il a dit parlé de policiers et soldats yo il a dit qu'il dans unité d'élite donc unité spécialisée yo. Donc Kounia pas gagné dit que c'est ça monsieur CPT au te vleu même. On comprend. Ou imaginez que vous avez dit directeur général la police là, ou bien vous dit lieutenant général la MEA que vous même pas n'avez ça, pas occupé. Ou même tout ça, pas t'arrêter maintenant, n'en placer. Ou non, mais le ramo, pas t'arrêter maintenant, placer Gerbi, guerrier. Parce que, ou apchita avec M. Koni, probablement qu'on j'en l'ouéba yo. Et puis il dit, mais quand il me brûle, ou à chita avec Leslie Voltaire, avec Perlio et Abdou, mais côté vous voulez aller, etc. Après, vous doit mettre monsieur, puisque vous êtes différent, vous doit mettre monsieur dans le petit soulier. Par contre, vous comprenez. La preuve
en est bien grande. Avant hier, monsieur Kony a visité base la mia, pas vrai? Nous avons vidéo, il fait côté la dîner, est-ce qu'il a avec, est-ce qu'il a avec, on voit si on parle pas, ça on folklore, il folklore. Bref. Vous comprenez? Côté monsieur Kony a dit la mia, est-ce qu'il a avec, on voit si il a bagage, est-ce qu'il a compté sur etc. Base a dérangé dans cette vidéo. Parce que pour yo même monsieur Kony pas gagné autorité ça commandement sur la mia. Oui. Bah, oui, c'est président de la République là. Oui. Yo dit ça Kony a fait là pas rien pour résoudre le problème ça fait pas Kony a fait. C'est pas politique Kony a réglé. Yo dit tout carrément. Le Kony fait ça il violé article 141 constitution etc. qui dit c'est président qui c'est chef suprême la mia. Et moi je dis la République combat là gagné instruction qui passait à commandant la mia n'a parlé de lieutenant général Derby Guerrier si vous voulez regarder moi m'a parlé je dis désormais c'est CPTA qui vous balle l'ordre qui vous balle l'instruction. Ah bah moi prendre ça me dit à vous regardez pas attendez après ça qui passé à moins jour comme ça que CPTA entend mieux que désormais si chef la mia gagné des bah qu'a discuté il y a des dispositions il y a des consignes qu'a prend c'est de la résidence donc si là mais a pas déployé c'est CPT si le déployé tout c'est CPT donc ça fait c'est Kony qu'a venir rencontrer l'armée qui prend la base l'armée qu'a demandé l'armée si ou avec qu'a dit l'armée en al bataille qu'a dit l'armée faut que fasse ici je dis couper ça sec de chaque monde prend pas CPT a pour l'armée Kony c'est chef CSPN là Kony prend la police ouais parlons de CSPN moi très honnêtement ça c'est position pas moi je pense que c'est son CSPN spécial lui monsieur Kony va le faire depuis week-end dans le début ce maintenant réunir directeur général de la police ministre justice et sécurité publique comme lui même lui c'est ministre intérieur inspecteur général en chef de la police etc et puis garder non mais il tape bien plus force si CPTA ensemble avec Kony ensemble est-ce qu'on veut travailler ensemble. Faut si c'est pas bête automatique ou guerrier. Est-ce qu'on veut ouvrir travail ensemble? Mais c'est ça me dit, yo t'a gagné plus force si c'est ensemble yo fait toute démarche ça yo. Yo pas besoin ça. Ça ou besoin même. Qui ça ou besoin? Je m'a dit ça et Johnny. Moi j'ai besoin de tromper m'dou. M'a dit que gagne deux administrations. En deux d'administration l'État, gagne d'une part administration CPT et puis d'autre part administration Gary Kony. Mais pour payer, m'a pas ajouté en troisième administration parce que son c'est regrettable que m'a dit mon gars administration gagne tout parce que yo imposé loyo yo fait nous vivre gens que yo voulez yo gagne droit de taxes que yo prélevé sur nous etc. Et m'a regardé une bataille qui a fait dans pays là dans trois niveaux au sous tapis effleuré question Johnny CPT a bataille pour le prendre plus pouvoir, pour l'étendre pouvoir. Gary Kony a mené même bataille là avec le gouvernement par là pour qu'il prenne plus pouvoir. Mais plus pouvoir, pour faire qui ça, oui? Plus pouvoir, pour faire qui ça? Et puis parallèlement, Gany yo même y a bataille pour prendre plus territoire. Elle dit, pendant monsieur sous pouvoir, bataille pour pouvoir, Gany yo même y a bataille pour espace, y a prendre territoire, et ce qu'on prenne. Bon, Ronald, j'ai l'impression, ouais, même ça, il y a tout de même finalité, oui? On a gagné plus pouvoir, yo ka voler plus bien, yo ka gagné plus l'argent. Bandi yo également, là yo gagné plus territoire, yo gagné plus bail dans main yo. Oui, c'est même finalité ouais. Yeah. Ouais, donc, même objectif là yo gagné. C'est dommage, trois administrations ça remet ensemble pour craser pays. Maintenant, alors je voulais dire gang et gouvernement qu'on est là ensemble avec CVD avec ensemble. Même objectif yo gagné. Même objectif. Oui. Bon, on tripatique. Oui. Bon, CBTA lui même avec tout le gouvernement. Oui. CBTA avec le gouvernement. Non seulement il y a un objectif, il va dire, probablement faire plus l'argent dans le moment ça, mais préparer pour la prochaine élection. Yeah. Pour capable de mettre le monde dans le poste électif et gagner contrôle pays pendant 10-15 ans qui va venir. C'est dommage. C'est dommage et c'est la rage que. Yo exécutif à deux têtes
rivé dans le carrefour côté que yo transformé en deux exécutifs au pays. Gary Conille dans le gouvernement Palla, CPT dans la présidence Palla. On rappelle le contexte que vous êtes venu et le rôle que vous avez venu jouer dans la conjoncture. Ça, c'était d'abord tête ensemble pour résoudre une crise multiforme qui a brassé la population depuis quelques temps. Voilà que tous deux rentrent dans une dynamique gourmet entre eux par rapport à un problème qui était déjà prolongé la population avec ses problèmes de sécurité. Hein? Donc, vous mettez ensemble, vous gourmet contre vous au lieu que vous avez fait front commun pour bataille contre menace que gang examen représente pour le pays. Maintenant, moi-même, Johnny m'a parlé de ça tout à l'heure. Bataille ça, vous n'avez pas visé l'autre bagaille que en venir mes crises là, craser davantage d'espoir que la population a gagné. Et nous te dit ça, tout autant que pas gagné harmonie entre deux entités ça yo, c'est tout autant que ou a gagné impression troisième entité elle plus fort. Et troisième entité a continué faire travail que l'a fait. C'est pas moyen non. Gang yo a ferrailler comme ça sous terre. C'est parce que il y a deux entités qui pas jouer rôle yo, qui absent. Et puis la nature a horreur du vide, gang yo apprend. Ouais, posé. Ça comprend. Ça va simplifier oui. Maintenant, vous avez souligné tout à l'heure, et ça c'est regrettable, m'a dit ça hier sur les réseaux, que le chef gouvernement a rencontré au état-major la mère la police, la présidence qui représente par CPT aujourd'hui, la patte qu'on est, la rencontre et tout. C'est la preuve que ni CPT, hein, ni gouvernement, il n'y a pas grand-chose pour faire. Je pas prêt rien. Est-ce que oui? Même moi contre la fête. Parce que si même moi contre la fête autour de un même problème. C'est que yon n'a pas prêt rien. Même objectif. Et c'est dommage où ça dit ça pas taille maintenant place ni général en chef la mia ni directeur général de la police là. Ça vite mettre notre tête pas comme conclusion que ni directeur général de la police là ni commandant chef la mia, yo pas prêt rien tout parce que yon gen temps. Yon gen temps. Vous comprenez? Vous comprenez? Depuis que nous avons grain soulier tout. Yo yo pas prêt rien parce que yo en rencontre. Et me vinn comprendre pour qui ça que depuis dernière phase transition ça installé dans pays, c'est rencontre seulement qu'a fait. C'est parce que pas rien de concret véritablement que l'état a réglé par rapport à problème yo. Vous voulez dire plus faire rencontre, yo plus faire photo que résoudre problème. Non mais il est clair. Il est clair. Vous comprenez, il est clair. Donc rencontre a multiplié. Chaque nègre a exercé chef Rio, chaque nègre a exercé pouvoir yo. Et puis pour diable, situation intenable là, où sont absolument tout à l'heure qu'une presque vraiment lock. Ah. Bon, moi si, même si ça moi hier après-midi a les reproduit à partir de jeudi ou l'autre jour, c'est lock la pierre. Oui. Parce que canapé va tout fermer porte là, pendant mon a courir tout fermer porte là. On va rentrer on va sortir. Yeah. Ouais. Ouais. La lume d'eau, bah, il est dans la rue quand tu as boulé. Christoie même, il est encore bougé. Delma 32 même. Oh, on se comprend. Oui, bon, pour nous finir, dans la bataille pour pouvoir ça là. Il y a une bataille pour prendre pouvoir, Tikras par Tikras. Et puis, bandit, il y a une bataille pour prendre pays à Tikras par Tikras tout. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Elle dit que, écoute, quand bataille pour rétablir sécurité, caille par caille, quartier par quartier, ville par ville là. Mais c'est l'inverse que nous avons fait là, oui. Bandi va prendre territoire, yo caille par caille, zone par zone. Quartier par quartier. Quartier par quartier. Est-ce que vous comprenez? Puis il y a un slogan Bandi, je vais bien dans les bras. Il y a son formule tout le débat. Mais je vais poser une question avant de finir, mise en contexte ça. Est-ce que nous pensons qu'il y a une possibilité toujours harmonie ça n'a prôné qui peut gagner entre les deux têtes de l'exécutif? Pour nous joindre. Question à vous deux. Guerrier, dis ça. Non, mais je vais vous guerrier, puis je vais vous. Est-ce que vous pensez le possible? Le regarder, vous regardez les Steve Voltaire comme président de CPTA ensemble avec tout le reste conseiller, vous regardez Gary Conille ensemble avec tout le reste gouvernement, et vous regardez l'agissement, vous regardez le comportement. Est-ce que vous sentez harmonie nous voulez, harmonie peuple attend, en tant que synergie, si vous voulez, nous prenons ici
li possible dans mitan deux entités sa yo pour avancer. Li pas facile non. Peut-être si m'd'a parler pour peut-être moins. M'd'a ka dire le possible. OK. Même par contre qui groupe sa yo qui intérêt ou gagne. Est-ce que ça a fait là c'est li mettre yo TVO vinn faire. OK, parce que nous même nous ka penser que yo dans mauvaise direction et pourtant c'est là yo te vle aller. Mais bon, c'est son souhait. Ouais. Chita ensemble, parler ensemble, agir ensemble, c'est peut-être ça nous t'a souhaité. C'est ça majorité population t'a souhaité. OK. Et de fait pour même c'est ça m'ta souhaité. Mais qu'on est-ce que y a privé fel ou pas? Ça c'est monsieur qu'on connaît. OK? Parce que c'est eux même qui connaît. Si yo d'accord que ça n'a vivre là, nous mériter plus toujours. Nous mériter descendre plus toujours dans la boue. Ça c'est eux même. Peut-être créons l'histoire à sanctionner yo. Et au même les autres. Moi cher moi-même premier bas, là me garder en tête moi gagne des deux côtés. Chaque nèg yo gagne objectif pa yo. Et loi pouvoir danser dans tête yo nèg yo donc c'est yo même qui pour là. Par contre qui formule que yo ta capable passer pour que yo harmoniser ou bien synchroniser ça de synchroniser pour permettre que sorti mais moi doute fort puisque gars de bas peut-être nous pas dit mais gars agenda politique qui derrière chaque acteur yo qui différent yo chaque sous en ligne parce que yo n'en pas pour minimiser pas prendre comme si ça qu'a fait là comme si m'da ka dou que c'est Jean-Aurel me dit c'est haïtien qui peut réussir ensemble peut prendre initiative non. C'est parce que y a de gros intérêts politiques et de gros intérêts économiques, yon ne pas aller dans ce sens l'autre qui a joué sous terrain là qui permet que gain dos à dos entre deux têtes exécutives là. Parce que Gomba et Johnny vous regardez et c'est ça que me sceptique que harmonisation ça qu'arriver. Gomba et vous regardez. Ça pour nous regarder fondamental là. C'est Gary Conné à travers agenda politique li, à travers agenda économique li, et Leslie Voltaire parce que ouais nèg yo font bagaille là ou gantan boisson bagaille là ou pour une résolution pose Voltaire président tout monde emballé mais faut gantan comprendre que gon plan derrière ça gon paquet nèg ki pral nan élection gon paquet enjeu électoral qui souterrain là et chaque nèg côté yo campé a toujours vle que c'est pas là pour passer. Ouais. Non mais même plus problème, c'est parce que élection pas qu'a fait si problème ça a pas résoudre. Oh bah problème de sécurité. Bah on dégage. Bah on dégage. Ça dépend. Ça dépend. Ça dit. Yo quand même des gangs opposés. Au cas où on fait élection à gangs. Si met gangs. Ouais. Si met gangs arrivé et côté pour arriver donc quand même des messieurs font poser faciliter l'élection. Les amis même toujours et puis on fait élection. Ça qui est important pour finir pour me répondre question qui fait que moi même pas croire que entendre impossible. Alors son information balba ou là m'a tout bail la république tout fait poser une question. C'est parce que moi dit tête moi côté Haïti dans tout ça bataille qu'a fait là ou pas ouais Haïti là dedans non ou pas ouais moun bandi a mettre deux non ou pas ouais moun qui exposé par rapport à insécurité alimentaire là non. Ou pas ouais monde qui exposé par exemple à problème et kidnapping cap décapitaliser monde etc non ou pas ouais question stabilité pays là-dedans non est-ce que vous comprenez ou t'as dit c'est pété à bataille on a intérêt pays à l'autre là ou pas ouais ça ou a posé des tout questions mais qui intérêt Haïti gagne dans ça cap fait là ou pas ouais au cœur de action que acteur a posé donc moi-même doute fort que harmonie ça li t'a capable possible à travers deux agendas spécifiques que chaque acteur a. Peut-être moi très sceptique tout et mal dans le même sens là avant. Et c'est pas opinion encore cette question de agenda. Moi même moi en mesure par rapport avec monde moi parler avec un de pays que chaque nèg qui fait politique yo là, chaque nèg qui en dedans espace pouvoir yo là, chaque nèg qui dans CPT ou bien dans primature, il y a tout un petit agenda. Et vous expliquez clairement, vous avez retourné sur lui, il y a un agenda politique, il y a un agenda économique. Yeah. Et malheureusement, dans tout agenda, Haïti n'est pas pièce côté. Et c'est ça qui doit inquiéter. Je ne sais pas si la République a une chance d'entendre une entrevue
que le ministre de justice là te bay confrère nous de Magic 9 hier matin. Je dis dans le journal, moi-même, je partage les liens sur le réseau, je me tends un petit bout de la dedans. Mais là, je viens de ministre de justice, mais petit bout que je me tends. Je me rends compte que la bataille qui a fait là, c'est pour la bataille qui a pris fin demain matin. Parce que bon côté, même si tu as dit implicitement ou explicitement, ministre justice Garigoni là indexé la valeur tout carrément hein. Yeah. Elle a dit nous changer monde qui était par exemple en 2004 monde qui faisait ça c'est comme si il dit c'est la valeur qui a craser il y a comme des exemples. Est-ce que penser la valeur pour on est une gonnée pour aller rester croiser balévé attendre quand c'est qu'il va faire comme ça. N'a pas le ministre justice. Le qui était doué même l'autre a des positions politiques. Même l'autre a des opinions politiques. Mais tellement situation fragile aujourd'hui hein, et que la population attend de vous, de gouvernement là, ou même en particulier comme ministre de justice, donc ça c'est pas des déclarations que tu dois faire publiquement, même l'autre a gagné des positions personnelles sous ça. Yeah. C'est certain qu'on va avoir une réplique là. Fais-moi confiance. Deuxième bagaille. Dis-moi pas de place là, donc ça va l'aider. Deuxième bagaille. Juste correspondance et primature et Villa d'accueil ou bien CPT, gouvernement ou bien Garikoni, les Voltaire. N'est-ce que comprendre la dernière correspondance de Voltaire là, pas les Voltaire, hein, Garikoni là, comme provocation. Dans le sens que Garikoni dit, c'est dans le gouvernement qui a eu un remaniement, c'est dans le gouvernement qui a eu. C'est comme ça que vous comprenez. Yeah. Et madame, monsieur, nous mettons noter ça. Il n'a toujours pas sorti. Maintenant, minute n'a pas parlé là, il y a une résolution qui est en cours de préparation au niveau du CVT. On dit ça dans la résolution, il y a deux bagailles clés. Il doit y avoir l'autre bagaille, mais il y a deux bagailles clés. Pendant ma passée, et puis, j'aurais moins bon, Pour le bagaille, il y a demandé pour Garikoni libérer le ministère égalien. Ça veut dire que le ministère, il y a décidé, ce n'est pas M. Koné qui pourrait parler là-dedans. Et m'a cité pour la République. Ministère de la Justice et de la Sécurité publique, ministère des Affaires étrangères et des cultes, ministère des Finances, de l'économie et des Finances, qui avec coopération externe. Il y a un gros cobre. Il y a demandé pour Garikoni libérer le ministère égalien. Deuxième bagaille qui est dans la résolution, à savoir si l'a passé, un document qui est apparu là. Deuxième bagaille qui est dans la résolution, et c'est pour montrer que solution n'a pas cherché ou là ou bien harmonie n'a privé à il va vous demain hein? Yeah. Parce que bataille a fait carré. Deuxième bagage qui est dans la résolution, madame monsieur, n'a pas demandé pour Garikoni retirer bagage jumelage ministère dans tête li. Donc ça fait deux ministères font cela comme ça et on dit pour retourner à tout ministère qu'on a demandé Mbogiza. Ma faute pour me dit non m'a parlé m'a parlé m'a balle la République pour mais on approche des élections. On paquet de partis politiques qui dehors, et vous avez besoin de moyens. Mais vous dites pour ça, pouvoir ça, ou bien gouvernement, là, c'est 9 secteurs. Vous dites que ce n'est pas 9 secteurs seulement qui sont dans le pays. Donc, libérer le gouvernement permet que y ait des secteurs qui sont impliqués dans le pays. Il y a beaucoup plus de secteurs qui participent dans le gouvernement. La République, mais ça, qu'a discuté là. Vous même dit, nous, si nous voulons prendre l'oseille, nous prenons l'oseille. Pour vous, l'argent qui a circulé. Ah, vous avez raison. Vous avez raison. Et pas étonné. Dans les prochains jours, on a saisi une coalition. Donc, c'est le groupe politique qui n'a pas forcément la même idéologie. Et puis, qui décide de dire qu'il va dans la réunion. Tenez bien ça, me dit. Me dit, un an résolution, ça, on a demandé, où est-ce que le remaniement ministériel l'a fait. Il a demandé, il faut que M. Koné libère le ministère égalien. Il avait dit, barioul. Et deuxième barrière, retirer la question jumelage entre deux ministères. Affaires ministère éducation à fond seul à ministère culture là pour ça. Yeah. Ministère finance à fond seul à ministère et coopération qui débat ça. Ministère tourisme à fond seul à ministère commerce pour ça. Ministère des Haïtiens vivant à l'étranger fond seul à ministère des Affaires étrangères là pour ça. Parce que vous dites ça pas utile rien. Ça va vous donner aucun résultat. Il dit pour élargir cadre là pour permettre que conseil de secteur qui est dominé dehors pour rentrer dans le gouvernement. Et ça vous comme alibi. Entrer dans le gouvernement vous faire qui ça? Vous venez travailler. Et les mettre bosser. Et ben
li lèt gari konnen la. C'est comme si gari di nan yo, oh, yo soufye. Est-ce que vous pensez sur cette base que Harmony n'a pas l'air là pour demain? Expliquez-moi. Gonzan nous pose une question sur un forum hier. Qui est-ce qui a parlé avec les six Voltaire parlé avec Gary Gonny? Au moins dit pour faire camper sur ce qu'il a fait là. On a des fois des fois où est-ce qu'il y a volonté là? Où est-ce qu'on a défendu à faire par exemple? On y a intelligent bien ouvrier monsieur. Madame ça qui a passé si Gary Gonny pas occupé la résolution ça. Madame ça qui a passé si Négio t'as sorti résolution, t'as adopté résolution et que Gary Gonny pas bail suite avec. Madame ça qui a passé non? Et vous dites, il a prévoqué Gary Gonny. Comment ça? Chaque bail au pouvoir ça. S'il va t'avoir démissionné, il a quand même démissionné dans un premier temps. Mais dans le second temps, il a prévoqué. Comment il a fait ça? Comment il a fait ça? Et bien, moi, je démissionne, c'est peut-être mieux. Non, c'est vrai. Comment il a fait ça? Vous avez la rue de penser, président? Non, là, mais là, ça va pas le bataille. Ah! Chaque nègre prend un bon. Comme là, mais c'est pour. Eh bien, il y a même un côté nouvelé à l'arrière. Comme là, mais c'est sous compte président Slier, vous voyez? La police là c'est premier ministre. Yo chaque après un groupe on veut tirer une sur l'autre. Après Val pas à mourir. Bon mais quelqu'un comme ça vient arriver là. Attention à ma grosse. Préfère arriver là. En pile là dans ta mourir. A fait quoi le dit? A fait si. On dit comment faire ça et dans les hommes. Là yo dit gars il connaît pas signataire accord toi avec. Yo dit son job le bagarre. Vous comprenez? Ils disent son job est bagarré, donc le fait que son job est balé, il n'est pas satisfait du résultat. S'il parle avant ça. Ah. Ouais, Brian Nichols, Brian Nichols, obligé de mettre bouche là-bas. Dis-nous que l'heure, c'est. Entente. C'est entente, c'est unité nationale, c'est pas bataille au pouvoir, etc. Yeah. Brian Nichols, qui est obligé de mettre bouche là-bas. Brian Nichols qui est obligé de fouiller bouche dans la balle. Donc si résolution ça a sorti, il faut décourager mon. Monsieur Kony t'a dit négio, allez péter dans les fleurs avec résolution. On met ferme confiance. Prochaine résolution, c'est soit pour demander la démission de Monsieur Kony, ou bien pour adopter résolution qui dit désormais il va reconnaître Monsieur Kony comme premier ministre encore. Et puis il va. Donc ça veut dire négio dit une bataille, mais qu'on y a la bataille à quelle fin? Et Kony va décider céder, les m'a bien gardé. À quelle fin? Blague à blague. Et dans l'élection, vous êtes allé? Qu'est-ce que vous même là? Bah, le voici toujours. Vous avez estimé que vous n'avez pas touché depuis le mois de septembre. Je vous dis à 22. Ah oui? Qu'est-ce que vous pas touché? Next video. Oh, vous n'avez pas touché. Hein? Vous n'avez pas touché? Ça, les finances pas payées? Vous dites que c'est le problème qui gagne au niveau de finances, etc. Vous avez dit que vous comme faire, c'est M. Goni. Et ça qui intéresse vous? Ah, il va manger la caillou. Information. Il va faire briller. Son information ba au cher. Nous on sait que il va toucher depuis tantôt mois là, n'ego pas toucher aucun frère. Pour manger, il mange. Même nous il mange parce que il ne doit pas payer service traiteur qui va manger parce que chaque jour va manger dans ce pays, il va au petit du vin, il va au manger. Et pour ça finance pas payer, pas gagner l'argent même. Non, finance pas ba au frère, il va gagner frère gaz, frère téléphone. Pour ça va et il va toucher ça là. Pour qui ça va bailler au lit? Je dis qu'il va bloquer. Et ça me doit là, oui. Mais qui doit reconnaître le bloquer là? Ah, on dit, par contre, c'est vrai. Et ça, il va passer. Alors, ce que doit son problème qui est au niveau du ministère, je suppose. Je dis, monsieur, qu'on est bloqué. Je dis, monsieur, qu'on est passé le trois chef. Vous avez besoin du ministère des Finances. Vous avez besoin du ministère des Finances. Vous avez besoin du ministère des Finances. Ça va arriver encore, vous avez répéter. Ok. Je fais mon regret. Fait vagabond après c'est sous vous comprenez et puis qu'on a pour rien en tout cas n'ego dit qu'on pour rien ou mourir pour tête ou là vagabond même après l'affaire il fait au mal comme ça les qu'on a besoin pour le ministre pour Jean qu'on a acheté figure qu'on conseille président dit bon par là il vient dans bouche moi dans oreille moi pardon conseiller président dit comme ça les qu'on est arrivé en Haïti il dit monsieur je suis là, je suis à votre disposition. Il y a un message. Et puis, le conseiller a fait Jolet. Il a dit, ah, vite, premier ministre, il y a un crime là-bas, monsieur. On ne peut pas le bien, ça, monsieur.
Et c'est après qu'on a réuni, on a eu compte son podcast qu'on a dit. Niveau, il va être tout conseillé. Il a dit, je pense que son petit gars, il va le contrôler. Il pense que le président est avancé, c'est des privilégiés. Mon diable. Je ne sais pas parler de Gouné, de Gouné. Son job, il a eu, il a passé pour une interview. Pour comprendre. Il a eu le job là, il a eu une feuille de route. Pour le respecter. Et vous-même, il a eu le job là, vous-même. Ah, il a eu, mettez-moi dans le gousin. Mais il faut comprendre que chaque, c'est, il y a un monde. Un groupe qui baille au job là, donc peut-être que vous baillez au job là. Ou est-ce que vous avez agi sans groupe Mounsa qui baille au job là? Parce que c'est pas peuple qui baille au job ça, qui est là. C'est pas peuple qui baille au job là. Vous avez réfléchi, moun qui baille au job là, est-ce qu'il est prêt pour le quitter et révoquer Koni? De toute façon, on a dit qu'on a parlé de révocation, on a dit comme ça, il a préparé une résolution là, il a permis. Et monsieur Koni face au mur et puis Abdil mais non remaniement libérer ministère régalien yo et puis retirer question jumelage là etc. dans le cas contraire donc Koni même pas grave prendre tout pour lui tout non hein il accuse Koni que Koni gagne un groupe parle là peu favorisé au détriment de yo ministère fait fête de yo bay nèg yo c'est ça au besoin pour libérer pays là ministère fait fête de yo bay nèg yo. Donc comment vous culture que ça va gagner pas gagner? Oui, gain culture avec éducation fayon. Fayon. Sport. Sport. Mais c'est grave, c'est dans contexte pays. Économie, planification sont. On planification? Pour ça que madame dans pourquoi dans ministère finance et dans planification. Hein? Commerce avec touristes font seul. Ben bail touriste là, bail il a fait touriste rentrer dans pays là. Ou même, ou pas, je me connais, nous, on baguette magique, on fait. Pour faire tout, il serait dans le pays, oui. Ou pas, je me connais. En tout cas, qui est au Bayon, qui est l'autre la Gembel, du pareil, ou même, parce que c'est pas un sérieux. Oui, même, vous comprenez? C'était à Haïti là-dedans, non, pareil. Nous, qui t'en parlé déjà, nous parlons de enjeux gagnés, nous parlons de intérêts, nous parlons de agenda. Chaque monde a un agenda, sauf Haïti. Donc, jusqu'à ce qu'il y a, on a fini pour nous dire, jusqu'à ce qu'il y a Brad Fels, lui-même, il a peur. Il y a privé. Et malgré mettre au palais, parce que nous avons des blancs vins là, Brian Nichols sorti tout là carrément, il clairement dit que l'air c'est pas pour batailler. L'air c'est pour mettre tête ensemble, pour gommer contre gang, etc. Pour bas, etc. Malgré ça, il a décidé de frapper. Qui va arriver? Je ne sais pas.